samedi, le Smile Box Club s'installe de 17h à 19h. Zouk. Sol. Yo, t'as la peine pas passer en boîte. Il va les wafler. Augmentez les watts. Juste à la fin, qu'à descendre, coucou de bas. Sans misère. Crier, bécane, sauf qu'écouter. Tous les samedis, Smilebox Club, l'émission à ne pas rater. L'émission à ne rater sous aucun prétexte, tous les samedis. Et maintenant, il est temps de placer la place à nos invités de ce soir. En tout cas, bon, on va commencer par vous tous les deux. On va commencer par Mela. Mela, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va. Ça va la forme ? T'es bien installée dans le studio ? Ouais, ça va, merci. Bah, ça fait plaisir en tout cas de te recevoir. Toi, t'es la gagnante du fameux concours Le Bug du Zouk. Oui. Donc ça fait plaisir. On va un petit peu parler de toi tout à l'heure. D'accord. On va commencer par Benji. Bonsoir. Comment tu vas ? Écoute, ça va. Hein. La forme ? Ok, oui. Ça va, t'es bien installée dans le studio ? Tout à fait, ça va, super. Ça va ? Ça t'es bien ? Oui. Ok. Donc, vous êtes, pour tous les deux, c'est la toute première fois que vous assistez, enfin vous participez au Smilebox Club. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci à toi. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc maintenant, on va un petit peu apprendre à vous découvrir à travers cette interview. Bien évidemment, honneur aux femmes, hein, parce que dans le Smilebox Club, on est très très galant, c'est important, la gente féminine. Donc, on va commencer par toi, Mela. C'est qui Mela ? Tu viens d'où ? Je suis de la Guadeloupe. D'accord. Qu'est-ce que je dois dire encore ? J'ai 24 ans. Actuellement, je travaille, je suis assistante éduque dans une crèche. Ok. Voilà. Sinon, c'est tout. Hein. D'accord. Et comment t'es venue dans la musique ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire en fait, la musique ? Toujours. J'ai toujours chanté, toujours frondonné petite, toujours fait des petits concours. De communes, surtout aux Antilles, il y en a beaucoup lors des fêtes. Okay. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours branché, quoi. D'accord. C'est vraiment une passion. Mais tu n'as pas pris des cours de chant, t'as chanté un petit peu comme tout le monde dans ma salle de bain, avec ton peigne et tout ça. Exactement, voilà, ouais. Ok, d'accord. Et donc, tu es, comme je disais tout à l'heure, la gagnante du concours Jeune Talent du Bloc du Zouk. Comment t'as eu l'idée de participer ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce concours ? En fait, c'est bêtement, il y avait justement la publication du blog du Zouk et Jeunesse PIA, je sais pas si vous voyez c'est qui. Ouais. Ouais, bah voilà, c'est eux qui m'ont marqué dessus en me disant est-ce que ça m'intéressait. D'accord. Et du coup, j'ai lu un petit peu le procédé et j'ai envoyé mon mail pour dire que je voulais participer. D'accord. Donc, voilà. Donc déjà je le remercie parce que sans eux je sais pas si j'aurais peut-être capté parce que en ce moment je suis pas trop sur Facebook. D'accord. Le forfait ne le permet pas. Donc voilà, mais bon je suis contente en tout cas. D'accord. Et donc t'es venue, mais comment ça s'est passé ? Parce que t'as bien évidemment chanté sur un titre. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as écrit les textes ? Oui, c'est moi. La mélodie Ouais, c'est moi. En fait, une fois que j'ai entendu l'instru, j'ai tout de suite trouvé la mélodie. Parce que ça m'est venu en tête et je l'ai gardée. Et j'ai continué sur ça, quoi. D'accord. Voilà. Et où tu as enregistré ta maquette ? Alors, chez un pote... déjà Smokey, bonjour. Je sais pas si tu m'écoutes. Et c'était chez lui... je sais même plus où exactement, mais bon, dans une maison. D'accord, dans un home studio. Ouais, voilà, home studio. Ok. Et ça s'est bien passé ? Ouais, ça s'est bien. En plus, j'étais malade. Ah bon ? Ah ouais, j'étais malade. Mais ça s'entend pas sur la maquette. J'étais malade de fou. Ah ouais ? Ah bah tu vois, j'imagine quand t'es pas malade, qu'est-ce que ça donne ? Mais j'ai failli ne pas participer justement parce qu'au début, j'étais vraiment à fond, enfin, au début de la semaine et tout, vers le milieu. Et je me suis grave gavée, ce fameux grog là antillais. Oui, c'est important. Ouais, très important. Ouais. Et j'ai couvert ma voix et tout, m'a fait à ma gorge et tout. Et ensuite, je me suis dit, bon, vas-y. Je me suis levée, je suis partie. Et j'ai posé. Voilà. D'accord. Et tout de suite, je l'ai envoyé. D'accord. Voilà. Et donc, ton titre parle d'amour de vacances, c'est ça hein ? Ouais. Alors, c'est quoi ? C'est une star vécue ? Raconte-toi un petit peu l'histoire de ce titre. Bon, on va dire ça.
C'est pas on va dire ça, c'est oui ou c'est non. Est-ce que le garçon, il est... Voilà, il t'a inspiré Ouais. Ouais, il m'a inspiré. Donc le garçon qui a inspiré Mila, si tu nous écoutes, un gros big up à toi. Je pense pas. Parce que... à cette heure-ci, grâce à toi, ben là elle est dans le Smilebox Club et elle est, et grâce à toi, tu l'as fait découvrir dans le monde entier parce que le Smilebox Club est écouté dans le monde entier, bien évidemment. Donc merci à toi, l'inconnu. Je pense pas qu'elle écoute là. Ben, si. Et le Smilebox Club, tout le monde écoute le Smilebox Club, même sous l'eau, t'écoutes le Smilebox Club, c'est important. Non, pour revenir. Avant la scène justement au club Section Zouk, avais-tu déjà fait une scène? J'avais le temps grâce à JSL, justement, c'est une petite association, jouer son local. D'accord. Comme je connais quelqu'un qui y est, justement, elle m'avait proposé de chanter au Bauer. Il y a un an, il y avait justement Métis et Chao. D'accord. C'était pour faire leur première partie. Et j'avais le temps d'y aller, quoi, de faire une scène. Donc c'était pas ta toute première scène Non, j'en avais une aussi à la villa. C'était comme d'hab, un pote aussi qui y est, il travaillait là. Et il m'a demandé est-ce que je voulais faire la première partie de Kim. Et donc j'ai dit oui. Voilà. C'est bien, t'as déjà fait la première partie de Kim. C'est déjà très très bien. Donc justement aussi, comment tu t'es senti le jour de la finale? Parce que bon, c'était un petit peu un stress. Explique-nous un petit peu ta... Non, ouais, j'étais en stress de fou. La preuve, j'ai raté. J'ai oublié mes paroles. Mais bon, je me suis pas démontée parce que bon, les gens commençaient déjà à crier et tout. Non, mais tu sais, c'est pas évident. T'arrives, il y a beaucoup de monde devant toi. Le présentateur. La lumière, surtout. Le présentateur, il vient, il annonce ton nom. Ah, c'était moi. Et après, voilà. Donc. Forcément, ça s'est bien passé. Ouais, après le petit bois du début. Non, mais j'ai eu peur parce que je pense qu'avant j'aurais pu déposer le micro et partir, quoi, tellement que j'avais honte. Non, mais tu vois, t'as bien fait de rester. Ouais, je suis restée et puis je chantais jusqu'au bout. Et je remercie encore le public parce que franchement, niveau cri, ne pas en finir, quoi. Mais moi, je pensais que t'étais venue avec un cargo. Moi, je me suis dit, mais attends, elle est venue avec toute son équipe. Non, j'étais venue avec ma cousine. Et eh ben. Une personne. Non, mais franchement, est-ce que tu pensais, bon, bien évidemment, quand tu participes à un concours, l'objectif c'est de gagner ce concours, mais est-ce que tu avais la conviction de... Non, parce qu'au fait, sur le net, lors des votes, j'avais déjà vu qu'Apollon était super devant, quoi. D'accord. Et c'est vrai que sa version, elle était bien aussi. Et du coup, je me suis dit, bon, ça va être lui, quoi. Ouais. J'étais persuadée que c'était lui qui allait gagner. Ah ouais, j'étais persuadée. D'accord. Et finalement, non. Je suis contente d'ailleurs. ta voix l'a emporté. comment dire, est-ce que... Bon, est-ce que ça t'a rapporté quoi? Est-ce que, une fois que t'as gagné le concours, est-ce que t'as eu des sollicitations de gens? Est-ce que les gens t'ont félicité? Est-ce que t'as eu des retours, je sais pas, sur Facebook ou par téléphone, je ne sais quoi? Ouais, j'ai eu beaucoup de retours, notamment sur Facebook. Hein. Comme il y a du monde ils savent que je chante, donc ils sont super contents pour moi. Même ils ont écouté le titre, ils m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup, donc ils m'attendaient en retour, en espérant que justement qu'avec le blog du Zouk, ça va développer quelque chose de positif. Bah, c'est le but, hein. C'est le but du blog. Hein. Donc bon, j'ai dit à tout le monde à suivre. Hein. Mais bon, c'est vrai que niveau retour, ça a été positif, quoi. Voilà. Parce que maintenant, on va s'écouter un petit peu le titre un petit peu de ce que tu... Quand t'étais au soleil, t'étais dans les bras d'un garçon, etc. Tu vas nous raconter un petit peu l'histoire à travers ce titre. Hein? On est parti? Mila, Summer Love. Rien n'a été prémédité sur notre...
petit bisou, tout un câlin. De la tendresse, du respect, tout ce que j'aime. Je n'aurais jamais cru que j'aurais vécu tout ça avec toi. Tu sais, je ne compte plus les jours. Pourtant, je sais très bien que je dois m'en aller. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression que le temps s'arrête. Baby, baby, ne me lâche pas. Baby, baby, je reste avec toi. Très beau titre. Merci. Non, mais c'est un très très beau titre. En tout cas, on espère qu'il y en aura d'autres. C'est le début d'une longue aventure, on espère. Ouais, je me le souhaite. Donc, de toute façon, on va revenir vers toi tout à l'heure pour nous expliquer okay. En détail le concept, en fait, ce que tu as gagné, etc. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Pas trop bien. Donc, on va passer à toi, Benji. Ok, je suis là. C'est bon, t'es toujours bien installé. Oui, est-ce que tu connaissais Mela? Ben non, écoute, je l'ai découverte comme tous les autres participants du concours. Ok. Donc, grosse surprise au niveau de la voix, quoi. Franchement, ouais. Ça rejette. Hein. Talentueuse, donc on lui souhaite vraiment de bonnes choses, quoi. Ouais, c'est vrai que effectivement, je chante très bien. Maintenant, on va revenir un petit peu à toi. Donc, c'est qui Benji? Tu viens d'où? Ben écoute, moi, je viens de la Guyane. Donc, j'ai voulu en métropole depuis moins de 2 ans. Ok, donc voilà, je suis là installé, puis j'essaie d'entamer la musique comme il se doit, quoi. D'accord. Et quel était ton parcours dans la musique? Alors moi, en fait, c'est un peu différent. J'étais pianiste tout d'abord depuis l'âge de 7 ans. D'accord, monsieur. Donc, je suis avant pianiste, ensuite, on va dire vers les années des études, j'ai découvert un petit groupe, donc on a fait quelques scènes à Montpellier et tout. D'accord. En Guyane également, quoi. Et maintenant, depuis moins de 2 ans, donc que je suis installé en France, je commence à évoluer tout seul. D'accord. Voilà, quoi. Et donc tu t'es lancé, donc voilà. Et on t'a découvert sur ton premier titre, Next to You. Oui, alors comment il est né, ce titre? Parle-nous un petit peu de ce titre. Écoute, c'est un titre, c'est un petit projet que j'avais depuis un bon moment, de faire, on va dire, une histoire en 3 parties. Donc, Next to You étant la première partie de cette histoire, d'accord, une histoire d'amour, évidemment. D'accord. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Black Phoenix Records. Donc, okay. Ils m'ont aidé pour ce titre, à le réaliser. À qui je fais un gros big up aussi, d'ailleurs, Black Phoenix Records. Et également pour le clip, donc. D'accord. Voilà. Écoute. Donc c'est toi qui écris les... Oui, j'écris, je compose la mélodie, les paroles. T'as tout fait tout seul, quoi. Voilà, à part le clip, c'est toi. Voilà, exactement. T'as tout fait. Donc, t'as travaillé avec... et donc t'as fait le clip aussi avec eux? Oui, tout le à clip, fait. Le clip, ça vous l'avez tourné où? Le clip a été tourné à Paris. Simplement, ouais. À Paris, hein, on a fait ça... C'était ton premier clip? C'est le tout premier clip, donc... Alors, les impressions, c'est comment? C'est une bonne expérience, franchement, ouais. C'est une bonne expérience. C'est... On stresse un peu et... Au début, il y a toujours un petit peu de stress, ouais. le petit adrénaline qui, donne qui fait justement la beauté de la chose. Voilà. Maintenant, je te propose d'écouter justement ce titre. Non, pas de problème. Écoute. Et après, on revient après. Ok, ça marche. Donc, l'homme s'appelle Benji, Next to You. Every fine girl, even my daughter.
laisse sans voix. J'suis en émoi chaque fois que se croisent nos pas. Et j'ai toujours le même problème, tu ne me vois pas. Vrai son de Lover. J'espère que c'est autobiographique, c'est bien ça. Hein. Bah écoute. Tu me disais en antenne, c'était autobiographique apparemment. Non, j'ai pas dit tout ça. C'est juste des événements de la vie qui peuvent arriver à tout le monde. Bien sûr, bien évidemment. Bah, justement, heureusement qu'il y a ça, sinon ça serait triste. Voilà. Et donc maintenant, aujourd'hui, on te retrouve avec un tout nouveau titre qui s'intitule Juste au bout. Ouais, alors, pourquoi ce titre ? Alors, ce titre, c'est tout simplement la suite de Next to You. D'accord. Donc, également des événements qui peuvent se passer dans la vie quotidienne, quoi. Le manque de confiance, les disputes, etc. Je pense qu'il y a pas mal de couples qui traversent ça. Mmh. J'ai voulu illustrer tout ça à travers la musique. D'accord. Ouais. Et avec qui as-tu travaillé écrit le texte, etc. Encore moi qui ai écrit le texte et la mélodie. Jusqu'au bout, ça a été réalisé par Black Phoenix Records également. Ok. Et donc pour ce titre, j'ai voulu collaborer avec le Bloc du Zouk. Voilà. D'accord. Donc tu as fait appel au Bloc du Zouk. Voilà. Très très bien. Très bon choix.
Donc depuis sa sortie, est-ce que tu as eu des retours Oui, j'ai grave surpris, j'ai eu vraiment que de bons retours sur ce titre. Et bon, apparemment les gens sont assez impatients de voir ce que donnera le clip. Ouais. Donc c'est prévu. On verra. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Je peux pas te donner de date parce que c'est pas fixé tout simplement. D'accord. Mais normalement, d'après les échos, c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt, d'accord. Voilà. Et on t'a retrouvé en prestation lors de la soirée du Bloc du Zouk, justement, au club Section Zouk. Oui. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de la prestation? C'est vrai que c'était un petit peu court parce qu'on était un petit peu short dans le timing. Mais on va mettre ça de côté. Juste, comment t'as ressenti le truc? Moi, j'ai été surpris. Bon, il faut savoir que c'est ma première scène en France. D'accord, okay. Comme je te l'ai dit. Donc, j'avais pas mal d'appréhension au niveau du public parce que bon, on va dire que je suis pas connu encore, tu vois, je commence. Et ben, j'étais surpris, écoute, hein, le public chaleureux, voilà quoi, ouais. Vraiment réceptif. Donc c'est juste dommage que ça ait été court, mais sinon... Mais ce n'est que partie remise de toute manière, on sera amené à te revoir très bien, très prochainement sur scène en tout cas. Donc il y aura Benji un petit peu partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un artiste ou une artiste peut-être qui t'a inspiré au niveau de la musique, qui t'a quelqu'un que t'apprécies, un artiste ou au niveau de la musique, comment je vais dire ça? Bon, on va dire ça aurait été, j'écoute beaucoup de R&B. D'accord. Okay. Donc à la base c'est beaucoup de Boyz II Men. Bon, des artistes plus actuels ce serait Usher, Neo, etc. Bon, je suis très lover, donc ouais. Franchement, d'accord, ça c'est mon style, tu vois. Donc après j'essaie de l'adapter en zouk. Ok. Donc en zouk c'est vrai que les grosses références, ben, c'est bien sûr Marvin et compagnie. Ouais. Donc on peut que se référer à ce genre d'artistes là quoi. Ah, d'accord, mais de toute façon maintenant il y a... Ça représente le plus. Oui, effectivement, mais il y a des artistes de talent qui viennent comme toi, comme Léa, qui arrivent sur la scène, qui font du très 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 bon boulot. Et on est très très fiers de pouvoir enfin découvrir ces talents. Et je te propose justement d'écouter le titre Juste au bout. On est parti ? On est parti. On est parti, Benji, Juste au bout. Je n'ai jamais cessé de croire en nous, dans mes songes. Bébé, tu es la souveraine jusqu'au bout. Pourquoi tu doutes sur ces doutes? Pourtant moi je te tiens la main. Jamais je ne t'abandonnerai. Et toutes ces meufs, je sais, ça creuse comme un fossé entre nous.
là, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte, on savoure ce titre. Un très très beau titre. Hein. Ouais, je te remercie. Donc on a hâte de voir le clip. Donc oui. Incessamment sous peu, c'est ça ? Effectivement. Effectivement. Donc on va revenir vers toi, Amila. Donc, alors, j'espère qu'il y a de l'actu, qu'il faut que tu nous donnes ton actualité. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? T'as gagné le concours, etc. Mais après, derrière, qu'est-ce qui se passe ? Julien. Oui, je sais que t'es en contact avec Julien. Ouais, mais je pense que... Bah... Pour le moment, on n'a pas encore vraiment parlé. Mais bon, normalement, c'est un titre hein, à la clé. Ouais. Et on verra bien. Bah déjà, moi je sais un petit peu plus. C'est que le titre qu'on a écouté tout à l'heure, vous allez le terminer. Donc, il va être un petit peu... il sera un vrai titre. Donc, je pense que ça va être bien déjà. Ouais. Ensuite, il y a un second titre qui va être produit par le blog du Zouk aussi. Okay. Avec une production de W+. Donc, ça promet. Ouais. Ça promet, donc je pense que d'ici, avant la fin de l'année, ça sera déjà sur toutes les plateformes de téléchargement légal, bien évidemment. Wow. Et puis on va pouvoir travailler dans ce sens-là. Ben ouais. Alors t'es contente d'avoir gagné ce concours finalement ? Oui, je suis contente. Bah pourquoi finalement j'ai toujours été ? Non mais c'est bien, après voilà, et après ça s'enchaîne, etc. Est-ce que tu as des gens à qui tu souhaiterais passer un message, des gens qui nous écoutent, parce qu'on est écouté dans le monde entier, on est écouté en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, en Afrique, en Asie, on est partout. Ok, déjà petit coucou à tout le monde, à ma famille surtout, très important, les copines, les copains, tous ceux qui me soutiennent sur Facebook, le public surtout de la soirée de samedi dernier. Parce que franchement, c'est grâce à eux et je leur remercie beaucoup. Tous ceux qui ont voté. Ouais. Le bloc du Zouk. Et puis voilà. Petit big up à Benji. Merci. D'accord. Et on va revenir vers toi, Benji. Donc, toi, qu'est-ce qui se passe pour toi là ? C'est quoi les actualités ? Actualités, mis à part le clip. Donc là, je prépare mon troisième titre hein, déjà. Hein, on dort pas. Ça bosse. Oui, on bosse bien. Là, on d'accord. Bosse bien. Il est en cours. En cours de programmation. Fini, tout ça. Voilà. Ça travaille. C'est pour vrai. Et donc, est-ce qu'il y a un album de prévu de... Alors, à la base, il y a un album de prévu, oui, pour normalement fin 2013. Donc, on a encore le temps hein, de découvrir. Non, mais il faut prendre le temps de faire les choses bien. Voilà, exactement. D'accord. Donc voilà, plein de titres toujours sur le sujet love, comme je te l'ai expliqué. Mon objectif, c'est vraiment toutes les situations qui peuvent arriver dans un couple ou dans la vie de quelqu'un, homme ou femme. Il y en a plein de situations, donc ça fait pas mal de titres à faire. Oui, effectivement. Ah, c'est infini, hein. Franchement, sur ce thème-là, c'est vraiment infini. Ouais. Et est-ce que tu as un message à faire passer aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent ? Un gros coucou, un gros merci déjà à la famille, aux amis, un grand merci à tous ceux qui soutiennent dans mon projet, quoi, parce que bon, c'est pas évident. C'est pas évident et ça nous pousse vraiment, quoi. D'accord. Donc tous ces gens-là, les auditeurs du blog du Zouk, franchement un gros big up. Ok. Et est-ce que tu, bien évidemment, tu as un Facebook, est-ce que tu peux le donner pour les gens qui veulent te contacter ? Est-ce que il y a quelqu'un qui, t'as un manager à qui les gens qui souhaiteraient te contacter pour des différentes prestas, pour bosser avec toi ? Alors, pour me contacter, alors d'une part, il y a Facebook, bien entendu. Donc, c'est simple, BenG Music Zouk. D'accord. Ok. Ensuite, j'ai mon manager qui est en Guyane, donc Freyant Sound Caribbean. Freyant Sound Caribbean. Voilà. D'accord. Ainsi que mon agent artistique, Mr. Sharky Fenouzouke. On fait un big up aussi à ce gars-là parce que. D'accord. Ça le fait. Ok. Donc pour pouvoir les contacter, c'est sur Facebook et tu contactes. Voilà. Et il y a, voilà, y a toutes les infos sur ces personnes-là, sur moi-même, pour contacter. Ah, d'accord. Et toi, Mila ? Tu peux nous donner ton Facebook, ton Twitter, pas ton numéro de téléphone parce que sinon après tu seras harcelé, mais... Mon Facebook c'est Mila Smith, Mila, M-E-I-T-M-A-L-A. D'accord. Puis, de toute façon, une fois qu'on tape Mila, on va me trouver. D'accord. Je pense que je suis la seule quand même. c'est le début d'une grande aventure. Mais tu sais, dans le Smilebox Club, on a une sorte de petite coutume.
parce que moi j'aime bien. En fait, il n'y a pas que moi, les auditeurs aussi. J'aimerais bien que tu me fasses un petit truc en acapella, un petit truc que tu as envie, histoire de kiffer un petit peu, quoi, de me faire kiffer un peu. D'accord, chante le titre, peu importe. Comme tu veux. De retour de vacances, me revoilà dans ma routine. Le sentiment rempli d'angoisse envahit mon être. J'ai laissé ma famille et un jeune homme rempli de charme. Rien n'a été prémédité sur notre rencontre. Des petits bisous tout plein de câlins, de la tendresse, du respect, tout ce que j'aime. Je n'aurais jamais cru que j'aurais vécu tout ça avec toi. Tu sais, je ne compte plus les jours, pourtant je sais très bien que je dois m'en aller. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression que le temps s'arrête. Ouh là 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 là, quelle voix! Non, vous pouvez applaudir, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Merci. Franchement, tu m'étonnes que tu aies gagné. Le public se pas trompé. Notamment, c'est pas dire que les autres artistes n'étaient pas bien, mais franchement, d'ailleurs, je fais un big up aux artistes qui étaient là aussi. Donc, un gros big up à vous. Maintenant, Benji, c'est ton tour. C'est dur de passer derrière ça quand même, hein. Ça... Dur, non. Ok. Comme tu veux. Je suis comme un ange ayant perdu ses ailes, forcé d'abandonner un ciel rempli de couleurs et de magie. Sans toi, ma musique n'a plus d'harmonie. Je suis comme un enfant privé de rêves. Sans toi, ma lutte n'a plus de trêve. Je t'assure, c'est trop bête, je pensais pas qu'un jour j'aimerais quelqu'un comme toi. Voilà. Yeah, on peut l'applaudir, franchement. Eh, mais il y a du très, 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 très haut niveau dans le Smilebox Club ce soir. En tout cas, Mela, Benji, merci d'être passé dans le Smilebox Club. Et un auditeur depuis tout à l'heure, il me dit, Mela, il kiffe ta voix. Il s'appelle Petit Jojo. Il kiffe. Depuis tout à l'heure, on voit les messages. Petit Jojo. Ah, Petit Jojo. Merci en plus pour la pochette là qu'il m'a fait. Sympa. Donc, Petit Jojo, le message il est passé. Donc, en tout cas, merci à vous deux d'être passés dans Smilebox Up. C'est un plaisir. On espère vous retrouver très très prochainement, bien évidemment. Bien sûr, sur le blog de Zouk tout au long de la semaine. Et pour toi, Benji, on espère très prochainement des prestats. Oui. Pour toi. Et pour toi, Mela, ben, on attend avec impatience la suite du titre Summer Love. Yes. Et le nouveau titre qui me semblerait. Enfin, je dis pas plus. On parle pas trop. On parle pas trop. En tout cas, merci à vous. C'est merci un plaisir de vous avoir reçu. Merci. Et puis, ben, à très très bientôt alors. À bientôt. Ça marche. Allez, ciao. Allez, bye bye. Bye bye tout le monde.